Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode du 100 bébés challenge. Alors aujourd'hui au programme, on organise donc la fête d'anniversaire de nos trois bambins. On a Alaïs qui va aller au bal de promo. Je sais pas si ça va tomber dans cet épisode, mais en tout cas elle a été invitée au bal de promo par son camarade de classe. J'ai acheté des petits jeux et jouets pour les enfants quand ils auront grandi. Et je me suis dit, alors comme Alaïs elle a une aspiration bien-être, j'ai pris un petit coussin de méditation, puisqu'elle va avoir besoin de ça pour son aspiration. Et je me suis dit qu'on allait tenter de faire du nectar. Puisque ça y est, je me suis décidée à acheter l'extension Orange, qui était en promotion, je l'avoue. Donc voilà, je vais tester. Alors, Iva, elle est encore au lit. On va aller faire un petit pissou. Et est-ce que le linge est ok? Le linge est ok. À mon avis, ouais, il y a encore de la lessive à faire. Ça à essuyer. Et j'ai demandé trop de choses à Iva. Je pense que tu as assez dormi avant que les petits monstres se réveillent. Ah, j'avais demandé déjà autre chose, prendre le courrier, d'accord. Oula, Luna maîtrise enfin l'art de l'avion en papier, nanana. Ouais, lancer l'avion. Ce sera amusant. Ok. Ah oui, j'ai toujours pas remis la boîte aux lettres de l'autre côté. D'accord. C'est original. Ok, alors, qu'avions-nous? Ouh, beaucoup de choses. J'avais oublié qu'on avait autant de choses dans l'inventaire. Alors, attendez. Ouh là là. Alors, hop, faire se reproduire. Là. Déjà. Ensuite, sélection multiple. Ça, ça. Vendre, oui. Ok. Mince. Pas du tout. Ouvrir. Et avant ouvrir, c'était en haut. Mince. Lot de graines. Alors les lots de graines, on va les donner. Ah, je peux pas. Laïs est au travail. Elle est au travail. À l'école. C'est quoi? Lot de fruits, je pense que ça va nous intéresser quand même. Je verrai ça après. La petite Olympe, elle s'amuse, il va falloir quand même qu'elle aille dormir. Est-ce que tu voudrais pas aller dormir un petit peu encore? Le temps que maman gère la maison. Impeccable, mon petit mode qui permet de leur faire allumer les machines à laver et sèche-linge directement sans que j'ai besoin de revenir dessus, refonctionne, c'est très très bien. D'ailleurs, comme vous avez dû le voir, ce n'est plus la même table, tout simplement parce que j'ai fait un très 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 gros tri dans mes CC. Et par très gros, j'entends que j'ai tout viré. Je n'ai réinstallé que des CC merge pour pouvoir trier ensuite au cas par cas dans les lots de CC que j'ai. Ce dont je me sers réellement et ce que je n'aime pas, ce dont je me sers pas, hop, ça part. Et pareil, tout ce qui est modification de script, au plus possible, je passe par CurseForge, justement pour pas avoir à aller rechercher sur le web à chaque mise à jour, pour est-ce qu'il y a une mise à jour qui a été mise à disposition pardon, par les créateurs et pouvoir mettre à jour, etc. Là au moins par CurseForge, j'ai juste à cliquer sur Update All et quand c'est prêt et du coup j'ai plus besoin d'aller faire ça à la mano. Et c'est très bien. Alors, Adam est réveillé, il a faim et il a besoin de prendre un bain. Pas de souci, on va faire ça. Et du coup, Olympe est reparti dormir et Sébastien il dort aussi. J'ai à nouveau les petits bugs de puanteur. Là. Sébastien, j'arrive pas à m'en débarrasser. Par exemple. Dommage. Alors, donner un bain ensuite à Adam, on a dit.
Absolument, quand il aura fini de manger. Mais elle est aussi en train de manger, donc ça devrait aller. On va ranger ça de suite. Ok, nous avons un Adam lavé. Est-ce que étudier les formes, c'est pas mal ça? Qu'est-ce que passe-t-il, Iva? Saya Brooke, je sais même pas qui c'est. Qui est Saya Brooke? Elle est médecin. Je ne sais pas qui c'est, mais a priori on est amis avec. Ok. Pourquoi tu t'enfuis dehors? Ah, on s'enfuit à l'intérieur normalement quand il y a de l'orage. Ce n'est pas très logique, Iva. Alors, ici, ça n'a pas fini. On va fouiller les poches. On va attendre. Comme ils sont encore en train de dormir, on va pas se... Hein? Doucement. Blasé, comment ça blasé? Curieuse à propos des groupes. N'est pas à une réunion de groupe. Mais oui, c'est vrai qu'on a des groupes. Ah non, on n'a plus de groupe. Oula, oui, ça a fait sauter des choses. Eh ben, on peut rejoindre un groupe. Qui est-il comme groupe? Qu'on pourrait rejoindre. Les avant-gardistes. Grande littérature, c'est pas mal. On pourrait rejoindre, demander une invitation. Hop. Ok. Ah, c'est maintenant? C'est tout de suite maintenant? Bon, alors vite fait, parce qu'après, il faut qu'on commence à organiser la fête des enfants. Iva doit faire une bonne première impression sur le groupe Les Avant-Gardistes qui se réunit. Elle devrait socialiser avec les membres du groupe et demander à rejoindre le groupe Les Avant-Gardistes si les choses se passent bien. Ok, alors on va se présenter, bien entendu. Amicale, présentation respectueuse. Alors, on va faire connaissance, discuter des centres d'intérêt. Ok, on va faire connaissance avec un petit peu tout le monde. Hop, histoire de faire bonne impression. Par exemple, ah mince. Oula, 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 oula. Yuki, ah, sur Yuki, oui. Sur Hugo, j'ai pas l'impression, mais on va voir. Oh, elle aime pas la déco. Très bien. Il faudrait que je me motive à passer un coup un petit peu sur. Dans le casse sur tous nos voisins parce qu'avec tous les CC enlevés, modifiés, remis, tout ça, il y en a plein qui sont chauves, voire nus. Donc, il faudrait que je me motive. On a perdu Yuki. Où est Yuki? Elle est là-bas. Puisque, a priori, on a une bonne impression avec Yuki, on va continuer. La théorie des couleurs, pourquoi pas? Se renseigner sur l'auteur favori parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là quand même. On peut faire ça. Je ne peux pas y aller. Pourquoi je ne peux pas y aller? Ah, je dois faire bonne impression, mais je ne peux pas entrer. Ok, alors où est Hugo? Nous avons perdu Hugo. Hugo n'est plus là. Et elles sont ici. Tenter le code secret? Non, je sais pas, ça va pas faire bonne impression, ça. Comment je suis censée faire bonne impression si... Bon, vous savez quoi? Il est déjà 15h30 passé et il faut impérativement qu'on aille gérer la fête des enfants. Donc, on verra ceci plus tard. Très bien, de retour à la maison sous l'orage, on va donc organiser cette petite fête d'anniversaire. On va donc organiser un événement social. Parce que bien sûr, j'ai fait la cinématique dans l'épisode précédent, mais je n'ai pas réellement organisé cet événement. Donc, on a dit que ce serait une fête d'anniversaire. Nous allons célébrer les trois bambins. Nous allons inviter les filles d'Iva. Il faut impérativement que nous invitions Pania, qui est ici, comme vous pouvez le voir.
Ah, il va, mais c'est l'autre. On va inviter les frères et sœurs. Hop. Ça me paraît important. On a loupé la réunion, donc on va inviter les membres du groupe. Non, on ne peut pas, on est déjà à 15. Eh bien, écoutez, voilà. Dans ce cas-là, on va essayer de faire bonne impression au passage. Pour se rattraper. Traiteur, on va prendre personne. Mixologue, personne. Artiste, personne. On a besoin de personne. Et on fait ça, évidemment, à la résidence Firtine. Et ok, on n'a pas fait de gâteau. Oui, ça commence bien. Cuisiner, c'est toujours aussi lent. Ça, j'ai pas trouvé de solution. Hop. Et on va faire un gâteau hamburger. Pendant ce temps-là, peut-être changer une couche. Soin donné, changer la couche. Est-ce que j'ai invité Pania? Oui, j'ai invité Pania. Normalement, j'ai invité Pania. Ah, mais pourquoi elle est... Pourquoi? Non. Non. Voilà qui est corrigé. Alors. Donc, petit gâteau d'anniversaire. Oh là, bah, ici, on est en tenue. C'est pas mieux. Mais bon, écoutez. On ne va pas discuter ces choix vestimentaires. Ah, ben on a plusieurs personnes de nu. Bon, je vais peut-être refaire... Je vais peut-être repasser un petit coup quand même sur les autres. Je vais attendre que tout le monde arrive. Comme ça, je ferai tout le monde en même temps. Du coup, j'avais dit quand même qu'il y avait une couche à changer. Hop là, soin. Changer la couche. Est-ce que c'est Pania? Non, ça c'est Lucas. Pania, il est là-bas. Ok. A priori, tous les invités sont ici, donc je vais passer un petit coup. Il y a encore un invité qui arrive. Ouais, on est pas mal. Je vais passer un petit coup sur les personnes qui sont nues, du coup. Alors, on va reprendre le gâteau hamburger maintenant que tout le monde est habillé. On va, nettoyer un petit peu. Hop. Nettoyer. Oh là là, tout le monde est effrayé. Alice, calm down. Tout va bien. Ça va bien se passer. Alors, il nous fallait... Ah, mais du coup, ça a enlevé le... Mais non. Ça a enlevé mon événement. Vraiment. Oh non. Vache, il m'a fait peur, moi aussi. Eh ben, je réorganise l'événement. Non, c'est pas grave. Comme si on n'avait pas vu. Voilà, il ne s'est rien passé. Alors, objectif principal, souffler les bougies. Oui, raconter des blagues. On n'a pas de chaîne et fille et on n'a pas de quoi préparer des boissons. Mais on va s'en sortir quand même. Alors, tout le monde nettoie un peu. Cette couche n'est toujours pas changée. C'est pas possible. Changer la couche. Tout le monde discute ensemble. Ça devrait aller, je pense. Je pense que ça devrait aller. On peut faire des blagues avec Niri, peut-être. Malice. Farce. Demander c'est pour quand. C'est pour quand, alors que en leur lookant, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà 3 enfants. Elle aime la malice. Pourquoi pas, écoutez. Alors, qu'est-ce qui va pas? Les couches et tout. Ouais, je sais bien. Je sais bien, les couches, le bazar, tout ça, tout ça. Est-ce qu'elle lui a changé sa couche? Non, elle est en train de le faire. Très bien. Oui, bah oui. Je me doute bien. Hop là, on va jeter la couche. Ni vu ni connu. Voilà. Impeccable, on va nettoyer. Bah, elle essuie très très bien. Je suppose qu'il pue encore. Il pue encore. On va lui donner un bain. Ah, Sébastien, hop, le gâteau est prêt. Voilà. On va tout de suite ajouter des bougies. Ah, non.
Et non. Hop. Ici. Ajouter des bougies d'anniversaire. Tout de suite. Absolument tout de suite. Hop, hop, hop. On verra ça après. Voilà. Alors, qui avons-nous, Adam? Aider à souffler les bougies pour Adam. Avant que quelqu'un ne mange ce gâteau. Oh, ça va, il arrive quand même à se réjouir pour son fils. Ok. Ajouter des bougies d'anniversaire. Vite, 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 avant que quelqu'un ne mange ce gâteau. Oui. Impeccable. Alors, on a Olympe qui est juste derrière. Gâteau doit être... Non. Non plus. Pourquoi je ne peux pas? Ok, je vais laisser le temps de grandir. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Aventureux. Et pour Adam, pop. Oh, petit génie. Très bien. Ok, alors, est-ce que je peux aider à souffler les bougies? Oui, Olympe, c'est pour ça. Non, ne va pas au lit. Je sais que tu es fatiguée, mais ce n'est pas le moment. Et on demandera à Alaïs de le faire pour Sébastien, vu qu'elle est en train de lui donner un bain. Ensuite, nous savons ce qu'il va se passer. Oui, autour d'Olympe. Bon, qu'est-ce qui lui arrive? C'est qui lui? Ah oui, c'est le petit ami de notre fille. Avec qui elle a déjà 3 enfants. J'ai vu une chauve-souris. Non, c'est des moucherons. Ah ouais, c'est des mouches. Ok, très bien. Ah, j'allais dire pourquoi elle lui fait pas souffler ses bougies. Mais en fait, si. 3. Intolérante au lactose. Et pareil. Hop. Enfant très sociable. Je pense que ça lui va bien. On va aller vite remettre des bougies avant que quelqu'un ne mange ce gâteau. Oh, oh bah mince alors. Ça va, Jérémy? Et, oh, mais trop mignon, l'un de nos fils qui fait la vaisselle. Et Alaïs va aller faire souffler les bougies à Sébastien, je pense. Aider à souffler les bougies, Sébastien, voilà. Eh, mange pas notre gâteau, toi, hein. Ok. Oui, tu peux aller aux toilettes en attendant, ça me paraît pas mal. Alaïs, Alaïs, c'est bien, ok. Il y a une couche qui sent pas bon. Ah oui, non, mais c'est toujours Sébastien avec notre petit souci de puanteur. Qui sera donc bientôt terminé. Oui. Ah, il chante et tout. Non, mais tais-toi, ça ira, merci. Hop, maintenant tout le monde peut prendre du gâteau, tout va bien. Sébastien va s'éloigner un petit peu pour pouvoir grandir. Elle est partie se coucher du coup. On a besoin que tu aies... Oh, oh. Ok, 1, 2, 3. Végétarien et... Ah, j'ai cliqué à côté. Je vais y arriver. Prodige artistique. Impeccable. On avait besoin que tu fasses ami-ami. Demander comment s'est passée la journée, ça me paraît pas mal. Et ensuite, nous allons nous disputer. Ça y est. Il est temps. Il est temps. Méchant. Conflit. Se disputer. Ah, on peut pas se disputer à propos de ce qu'on a vu. Crier sûr. Hop là, c'est le bon? Oui, c'est le bon. Ensuite, méchant. Conflit. Critiquer les techniques de crac-crac. Absolument. Hop. Envoyer balader. Ah ouais? Tu vas voir ailleurs? Alors que moi, ça fait déjà plusieurs épisodes que je vais voir ailleurs? Eh ben, je suis pas d'accord. Alors, attendez. Oula, on se calme. Le temps, il est pas favorable. Oh, bah mince.
conflit. Crier sûr à nouveau. Oh, repousser. Ah bon, Tommy et Adam? D'accord, si tu veux. Méchant, conflit. Se disputer. À propos de l'éducation des enfants, ça me paraît pas mal. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait... Ah oui, c'est Kiyoshi. Et vous savez quoi? Je vais sauvegarder. J'ai peur. J'ai peur que le petit ami de notre fille avec qui elle a 3 gosses, il meure là dans cet épisode. Non, non, non. Méchant, conflit. Mais il fait ça avec qui? Demandez à Pania quel est son problème. Oh non! Notre frigo, il... Allez, conflit. Demandez à Pania quel est son problème. Allez, vas-y, vas-y. Viens ici, hop. Méchant, conflit, repoussé. Oui, impeccable. Oh, elle l'a traité, il l'a traité de lama. Snobé. Repoussé. Parce que je l'ai toujours pas repoussé là. Crier des mots interdits. Oh. Malveillance. Laisse entendre que sa maman était à lama. Oh, mais oui, vas-y. Ah, oui, si tu veux. Ça suffit, je demande le divorce. C'est terminé. Pour de vrai? Oui, c'est fini. Vas-y, pleure. C'est bon? Méchant? Envoyé balader. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Convaincre de prendre un bain. Just go away. Casse-toi, on veut plus te voir. C'est fini. Et cette tension n'est pas de ma faute. Ah bon? On a des images qui prouvent le contraire. Du moins pas complètement. J'ai le droit de ressentir de l'amertume à propos de ce qui s'est passé entre nous. Bah ouais, tu nous trompes. Je rêve. Du coup, tout le monde va s'en aller, je pense. Je sais pas si on a fait bonne impression devant elle, par contre. Centre d'intérêt, discuter des centres d'intérêt. On pourrait peut-être faire conversation profonde. Et peut-être papotage. Se renseigner sur la carrière, ça me paraît pas mal. Fête d'anniversaire terminée. Un peu désastreuse, je pense, pour les 3 enfants. Mais bon. Oula, non, pas tant d'interactions. Ah, elle dit au revoir à tout le monde. Ok, si tu veux. Là, mais tout le monde va tomber. Mince. Désolée. Oh, bah non, 2 fois de suite. Enfin, Nathaniel, tu ne fais pas d'effort. Tu vas y arriver? C'est bon? Ok, très bien. Ah, est-ce qu'elle aussi? Eh oui, allez, elle aussi? Eh ouais. Oh mince. Ok, très bien. Oh non, je suis pas sûre qu'on fasse bonne impression sur elle. Ok. Oh, bah mince. Bah, très bien. Iva divorce de Pania. Bah oui, oui, je sais bien. Ok, je vais restaurer un petit peu cette petite famille, on se retrouve après. J'aimerais bien tester avec Alaïs de fabriquer du nectar. Oh, je peux en faire 2. Attendez, on va faire celui-là d'abord. Parce que de base, je l'avais acheté en me disant que j'allais le faire et je l'ai toujours pas fait. Hein. Et j'ai vu que Luna avait obtenu un A de moyenne. Solène, elle a un B et les enfants, pour le moment, ils ont un C, mais j'ai je les ai fait carburer pour faire leurs devoirs, là. Donc, on va pouvoir faire grandir Luna, juste après ça. Oh, mais trop mignonne. Non, trop mignon, c'est Sébastien. Sébastien, il est en train d'arroser nos plantes. Trop mignon. On manque un petit peu de toilette, par contre. à la queue leu leu, hein, désolé. Tu pourras... Oh là, continue à chercher.
Hop, tu peux faire ça et comme ça libère les toilettes. Hop. Ici, qu'est-ce qui se passe? Divertissement. Il y a un jouet juste ici. Oh non, il s'est fait pipi dessus, c'est ça? Oh, j'avais pas vu, il s'est fait pipi dessus. Pardon. Je n'ai pas fait attention, je suis désolée. Ce serait trop bien. La vente de ce qu'on est en train de récolter plus la vente de nectar, ce serait pas mal pour Alaïs et se faire un petit capital avant de partir. Elle a des boutons, la pauvre. Ok. Maintenant, comment on fait? Ah, d'accord. Ok. Et c'est dans notre inventaire. Et si on fait le nectar de raisin, du coup, maintenant, et après, on ira prendre un bain. Qualité médiocre, mais bon. Ah, pas encore vieilli. Je crois qu'il faut acheter un truc. Ah, il y a quelqu'un au bain. Pas du tout. Si je fais ça. Il nous faut ceci. Entreposer toutes les bouteilles. Voilà. On va faire ça. Oh, elle pense à son crush là. Elle a un crush et elle va même pas au bal de promo avec. Elle y va avec son ami Emrys. Alors je sais pas, j'ai pas compris. Écoute. Laïs, fais ta vie. Hot daydreaming. Ah mince. Oui, elle y pensait beaucoup à son crush quand même. Mais pourquoi tu lui as pas demandé d'aller au bal de promo alors? Flûte. Alors, ici, on en est où? Est-ce que tu peux refaire des devoirs? Non. Tu peux jouer. Mais tout le monde est malade dans cette maison, je crois. BT, maladie. Oui, d'accord, ok. Elle peut faire. Oh, si, il y a du travail supplémentaire. Ah oui, mais de toute façon, elle va grandir, ça sert plus à rien. Mais ici, non. Ok, deuxième nectar. On va pouvoir aller prendre un bain. Ok, et on met tout. Voilà. Comme ça, on va attendre que ça vieillisse pour voir. Oui, si tu veux. Tac, tac, tac. Ok, les deux sont médiocres, mais bon, écoutez, c'est le début. C'est le début. Eh bien, je pense que je vais vous laisser ici pour cet épisode. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Time.